très rare que nous nous rassemblons comme ça un jour de l'année. C'est bien parce que chaque année, du 6 novembre, nous organisons donc une cérémonie pour la célébration de la journée de l'arbre. Donc, allons-y, Mathieu, l'arbre choisi, l'arbre du monde. Le Moringa, c'est-à-dire que si nous avons dans notre pays des milliers d'hectares, pourquoi pas des millions d'hectares, étant donné que nous avons des terres. Il y a même un qui a posé la question, qu'est-ce que le Moringa peut faire pour nous? Si maman est malade, elle fait la diarrhée. C'est une maladie, non? Elle fait la diarrhée. Une fois, deux fois, trois fois, elle est fatiguée. Même si c'est à 2h du matin, vous sortez, vous prenez ces feuilles-là. Vous lui donnez. Elle broute ça. Elle broute ça. Et instantanément, ça veut dire, dans quelques minutes, votre mère ne fera plus la diarrhée. Cela dit, je vais donc appeler la promotrice. Il est dit, pas idiot, quelle que soit la météo, la vie c'est comme un jardin, toujours bien en prendre soin, c'est la nature en cadeau, et c'est beau. Qu'on soit timide, toujours rouge comme une tomate, ou bavard à raconter plein de salades. Monsieur le Président de l'Alliance Club Brazzaville et ses collaborateurs, Monsieur le Président du Bocaté Tibéli, Monsieur le Représentant de l'Association Moïse, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Par l'endroit, la communauté éducative de l'Institut Mathieu vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'être venu nous accueillir en ce jour d'émotion de plaisir dans notre école le 6 novembre 2019. L'Institut Mathieu, dans le cadre de sa politique pédagogique, participe à cette activité avec ses élèves en procédant au planning éducatif d'arbres, en respectant la vision du réseau des écoles associées de l'UNESCO, qui consiste à mettre l'accent sur les quatre piliers de l'éducation définis dans le rapport de l'UNESCO pour le 20e siècle, à savoir apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à être et surtout apprendre à vivre ensemble. C'est pourquoi, depuis 2016, à la création de ce site de Kité, l'Institut Mathieu s'est emparé de s'approprier de la tradition de planter d'arbres pour initier ses élèves à se familiariser avec les arbres ou arbustes et à les entretenir et à connaître leur utilité dans la vie quotidienne. En 2016, en partenariat avec le réseau national Femmes et Climat du Congo, ainsi que la RENAFEC, nous avons planté les arbres sur le site aménagé du Conard, en Bambou-Migali. En 2017, constatant que notre école produit chaque jour des quantités énormes de déchets qui encombrent l'espace, alors que ces déchets contiennent de la matière organique biologique biodégradable pour assurer la fertilité du sol. C'est alors que le projet de planting d'arbres fruitiers, tels que les papayers
dramatique de face a vu le jour dans la foule de notre école. En 2018, nous sommes mobilisés pour expérimenter les plantes médicinales telles que le sein, déjà transformé en huile, et le vomir. Cette année alors, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour célébrer la journée nationale de l'arbre. Aujourd'hui, nous plantons un arbre. Pas n'importe quel arbre. Le moringa, un arbre à essence forestier ayant des vertus médicinales et nutritives pour contribuer à la lutte contre le changement climatique et la malnutrition. Planter un arbre est un acte dont le symbolisme et la signification profonde transcendent toutes les cultures et les sociétés. C'est un moyen pour les enfants de contribuer à titre individuel à la résolution de la crise environnementale et alimentaire. Voilà pourquoi nous avons sollicité l'accompagnement des partenaires qui nous ont tendu la main à l'occurrence de Lions Club pour avoir bien voulu témoigner leur esprit de convivialité et de partage et participer à cet événement de toutes ces occasions. Tu fais de moi une pirogue réfléchie. Tu fais de moi le feu pour bien cuire ton pain. Tu fais de moi des flèches pointues pour chasser. Et tu ne connais pas la fin. Tu fais de moi. On m'appelle Blondine Binyama. Je suis enseignant à l'Institut Mathieu et ça me fait déjà 4 ans que je suis venu à l'Institut Mathieu. Tu fais de moi un cadre de vrai tableau. Ce qui est beau te fait rêver. Pour moi, c'est un pas de plus, c'est de montrer aux autres qu'il faut innover cette discipline-là au Congo. Ne plus utiliser les vieilles méthodes théoriques, mais il faut aller dans la concrétisation de la discipline. Ça se passe à l'école, dimanche 17h, mardi 18h15 et jeudi 11h sur le canal 332 d'iArtv International. Le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation au Congo-Brazzaville, que j'appelle ici très effectivement. À chaque élève, le chef de l'hôtel, à lui, qui nous en la décision progressive est congolaise à la vision du chef de l'État. Le parti est un propos de ses citoyens en conscience de leur responsabilité dans la préservation
et la gestion rationnelle de la base productive de l'économie nationale sur les instituts de ressources. Mesdames et Messieurs du Tribunal, l'être humain est à la fois créatif et créateur de son environnement qui assure sa subsistance physique et lui offre la possibilité d'un développement intellectuel, moral, social et spirituel. Dans la langue et la heureuse évolution de la race humaine sur la Terre, nous voulons réunir, grâce au progrès toujours plus rapide de la santé et de la vie, l'homme a acquis le pouvoir de transformer son environnement d'une autre façon et à une échelle sans précédent. Chaque journée nationale de l'art est organisée autour d'un thème qui attire l'attention sur une préoccupation environnementale par plusieurs grands urgences. Le thème de cette année choisi par l'Institut de Mathieu en Région. Mesdames et Messieurs, comme vous savez, la Journée nationale de l'art a été instituée par le président de la République en 1984. Célébrée chaque 6 mars au départ, elle est placée aussi au long de chaque année afin de respecter le calendrier du cycle de notre pays. Ainsi, la Journée nationale de l'art représente une occasion de sensibilisation et de consolidation des populations en général et des élèves en particulier. Au rôle de l'art et de la forêt dans la vie. C'est dans cette optique que l'esprit est imprégné de l'écologie, recommande de parler d'environnement à l'école. L'UNESCO estime, dans bien plusieurs rapports, que l'éducation doit se transformer radicalement pour relever les défis auxquels l'humanité est confrontée, particulièrement en matière d'environnement. Ainsi, concernant l'apprentissage, en matière d'environnement, il est important qu'il faut changer notre manière de regarder l'éducation. Et insiste sur la nécessité d'une alphabétisation écologique, c'est-à-dire une éducation de l'apprentissage des problématiques environnementales dans les systèmes d'éducation. Alors, voir les élèves de l'Institut de Mathieu. Nous les avons à capitaliser ces impacts et les mettre en échec. À titre d'exemple, vous devez généraliser la culture du Nordina et d'autres espèces sont des artisans pertinents pour l'existence. Mesdames et Messieurs, du Tribunal, avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer mes sincères remerciements à la Direction générale de l'Institut de Mathieu et à son personnel pour son dynamisme dans les activités de l'UNESCO et remercier toutes celles et ceux qui, par leur présence, ont honoré la présente cérémonie de Plantique d'art, édition 2019 dans cet établissement. Ça se passe à l'école, dimanche 17h, mardi 18h15 et jeudi 11h sur le canal 332 d'ARTV International. Monsieur, madame, le promoteur de l'Institut de Mathieu. Monsieur le secrétaire de l'UNESCO, parents d'élèves, personnel de l'Institut de Mathieu, élèves, invités, divers, c'est une grande joie et un grand honneur pour moi, mais aussi pour celui du Lions Club Brazzaville Élite, à l'occasion de la journée de l'art fortement symbolique. Je voudrais saisir l'opportunité de cette rencontre pour magnifier et apprécier l'esprit de partenariat France, le Lions Club, dans la vie élite et l'Institut de Mathieu. Le choix du Moringa n'est pas un hasard, puisqu'il s'agit d'un puissant remède et un complément alimentaire nécessaire à la nutrition de nos populations. Aux élèves, je tire votre attention sur cette activité de planting qui, loin d'être une simple distraction, devrait être un engagement pour la planète. J'invite chacun de nous à planter arbres et à en prendre soin de sorte que les plants aujourd'hui deviennent pour les générations présentes et futures les forêts de demain et un gage de bonne santé de la planète. Je vous remercie. Tu fais de moi une pirogue pour pêcher. Tu fais de moi le feu pour bien cuire ton pain. Tu fais de moi des flèches pointues pour chasser. Les arbres apportent l'oxygène, l'ombre,
un sang qui nous berce parfois, la beauté, les fruits ou tout simplement leur existence. Tu fais de moi des fenêtres. Déjà à la récolte des fruits, pour apprendre le cycle de la nourriture, la culture, la cueille, la transformation et la conservation. En plantant un arbre, nous aidons la nature à se renouveler. Avec ces diverses expériences, je peux vous dire que c'est toute une richesse. Parce que depuis les racines, en passant par les feuilles, les graines, la peau, tout ça, ça participe à la santé des individus et surtout l'huile de moringa participe à la cosmétique. En favorisant la culture des fleurs, des légumes et des fruits. Pas inépuisable, tout est encore récupérable. La fin n'est pas inéluctable. Ensemble avec tous nos semblables. Il est en être irréprochable. Énergie renouvelable et les déchets recyclables. Tout doit être biodégradable. C'est incontournable. Le toujours clair et potable. L'air à jamais respirable. Et le partage équitable. C'est indispensable. Nous sommes ici à l'Institut E. Mathieu, c'est dans le cadre d'un partenariat
entre le Lions Club Brazzaville Elite qui appartient au Lions Club International. Et nous avons donc voulu, à travers cette journée du 6 novembre qui symbolise la journée de l'arbre, apporter notre contribution à cette activité. Nous avons choisi l'école, l'Institut E. Mathieu, parce que l'Institut E. Mathieu répond déjà un certain nombre de critères qui sont les nôtres. L'Institut E. Mathieu dispose de l'espace nécessaire pour pouvoir accueillir ces arbres-là, plus de 400 arbres qui seront plantés. Nous savons tous que le moringa est un arbre qui contribue à, qui est un complément alimentaire, je dois dire, pour, et qui peut aider dans le cadre d'alimentation de nos populations. Le moringa également est un arbre qui a des vertus médicinales. Planter un arbre, c'est une action qui vient pour lutter contre les problèmes climatiques. Planter un arbre vient en appui aux problèmes liés à l'environnement. Et donc nous avons voulu, à travers cette activité, qui entre dans le cadre de nos 5 axes prioritaires du Lions Club, que sont le diabète, la vue, la faim, la protection de l'environnement. Donc nous avons voulu marquer ce jour symbolique. Tu fais de moi une pirogue pour pêcher. Tu fais de moi le feu pour bien cuire ton pain. Tu fais de moi des flèches pointues pour chasser. Et tu ne connais pas. Dans quelques semaines vont sortir les feuilles. Mais au bout de 5 mois, ces boutures vont donner des fruits, ce sera des arbres. Nous allons maintenant procéder au parrainage des différents cycles ici présents. Je vais inviter mes amis Thierry Adéossi et Daniel Nicoa ici présents à me rejoindre. Et l'idée pour nous, c'est de pouvoir parrainer les cycles primaires et secondaires de l'Institut E. Mathieu. Voilà. Donc, je vais confier pour le cycle primaire. Je me parrain, je cite l'ami Thierry Adéossi. Je pour me porte d'argent et j'aurai le temps pour mon enfant. Je pars de descente régulière à l'Institut E. Mathieu. Et avec une collaboration avec l'administration. Et pour le cycle secondaire, vous avez l'ami Daniel Itoa Estène. Étant donné que c'est l'essence même du Lions Club, assister et contribuer au développement de l'humanité à travers les actions positives. Je suis élève en classe de 6e, je suis la journaliste de l'Institut E. Mathieu. J'aimerais poser quelques questions à 3 élèves que je choisirai. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous vous nommez? Je me nomme Oyanja Dali Kondé, élève à l'Institut E. Mathieu en classe de 5e. Ok, monsieur Oyanja Kondé, que pensez-vous de la fête de l'art? Je pense que cette fête, c'est une bonne idée parce que chaque année, à cause du soleil, il y a des
Il y a des arbres qui meurent à cause du soleil. Alors, pour reconstituer les arbres, nous devrons aider la nature à se reproduire. Bon, la journée de l'arbre est très bien. Je suis bien amusée. J'aime la journée de l'arbre. Vous avez le manga dans votre parcelle, c'est comme si vous avez une pharmacie. Alors c'est un arbre bien choisi et bien réfléchi. Le moringa, c'est une plante, comme on dit, c'est un arbre magique. Il peut soigner plus de 300 maladies. Les mal de ventre, la diarrhée, ainsi de suite. Ça se passe à l'école, dimanche 17h, mardi 18h15 et jeudi 11h sur le canal 332 d'ARTV International. Toutes bonnes choses ne durent pas. Nous souhaiterons qu'un jour nous reviendrons au lieu du cas des plans. Nous sommes plantés aujourd'hui dans la ligne d'arbres 2019. À chaque année, nous plantons les arbres dans la cour de notre école. Et à chaque année, on nous voit grandir et les arbres aussi. Plus tard, nous pouvons dire que c'est nous qui avons planté ces arbres. Au revoir à vous tous, mes chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans l'Institut E. Mathieu. Fais de moi des flèches peintes pour chasser et tu ne connais pas la fin. Tu fais de moi la porte pour ta maison. Tu fais de moi la charpente pour ton toit. Tu fais de moi des fenêtres sur l'horizon et tu n'as plus ni peur ni foi. Plus que tu as tant besoin de moi. Et que je te suis indispensable, puisque tu as tant besoin de moi. Prends bien soin des forêts, de chacun de ces arbres. Tu fais de moi des beaux crayons pour écrire. Tu fais de moi des fleurs de papier blanc. Tu fais de moi des gros livres pour instruire. Et tu es devenu savant. Tu fais de moi des guitares et des pianos. Tu fais de moi des estrades pour danser. Tu fais de moi des marbres pour tes tableaux. Ce qui est beau, tu fais rêver. Puisque tu as tant besoin de moi et que je te suis indispensable, puisque tu as tant besoin de moi. Prends bien soin des forêts, de chacun de ces arbres, tu fais de moi. Thank you.